Eh bien, yo les potes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 5 de notre série Je crée ma map. Et comme vous pouvez le voir là, c'est le plan de vue de où on en est sur la création de la map. Et comment vous dire que bah ça commence à faire beaucoup. Hein. J'ai fait donc dans le off, j'ai eu quelques problèmes, on va dire. J'ai fait un peu le tri dans mes modes et j'ai enlevé des modes bah, qu'il fallait pas. Alors, je les ai réinstallés. Certains, mais pas tous, vous voyez, j'ai dû changer la porcherie, je ne l'ai pas trouvé. Ensuite, le TA, pareil, il me manquait un bâtiment. Le TA, j'étais pas fier, du coup, je l'ai enlevé, j'ai mis à la place la Cuma, la Verloussoise. J'ai pas. J'ai mis des. Donc, autour de la Cuma, j'ai commencé à mettre des arbres, mais je me suis arrêté parce que c'est des arbres, donc de. Enfin, les arbres de Agitech, ils se placent, mais on peut pas les vendre. Enfin, non, on peut pas les abattre. On peut que les vendre dans le magasin. Moi, je veux des arbres qu'on place, mais qui sont pas dans le magasin. Donc, je vais les télécharger. Je connais un pack. Parce que sinon, ça prend de la place bah, dans le magasin. Et puis après, ça met tellement de temps à charger que quand je vends les trucs et tout, c'est super long. Et puis quand je recherche un truc, c'est pareil, c'est long. Donc voilà. Donc moi, juste avant de règle, j'ai fait le point sur un peu où on en était. Enfin, sur les bâtiments. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire comment. Donc, je suis en Shift 4, ouais. On va se baisser. Donc, vous voyez, donc tout là, il y aura. Donc, ça, c'est fini. On a pour le moment, on a une ferme à vaches, cochons, et là-bas, c'est les poules. Ainsi qu'une Cuma ETA. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire donc la ferme à Moutmout. On va l'installer ici, je pense. À ce carrefour-là. Comme ça, ici, on fera des grandes étendues de prairies, pareil, derrière, avec des champs pour quand même délimiter. Ensuite, moi, je pensais à faire une deuxième ferme à vaches. Donc, je pense plus qu'on va faire un chemin, qu'on va la reculer, qu'on va la caler par là. Là-dedans, entre les arbres. Et puis, tout au bout, là-bas. Alors, il est très long, ce Shift 4. Je vais faire un truc. Oui, c'est déjà plus rapide. On va mettre en Shift 8. Et ici, donc, on va terraformer et construire le BGA, tout simplement. Le BGA, et donc, il sera soit là. Après, j'ai pas trop d'idées. Soit, pourquoi pas, par là. Donc, il y aura deux fermes à vaches, une ferme à moutons, une ferme à cochons, une ferme à poules, une Cuma. Et on va dire que ce sera tout. Quelle est peut-être une ferme céréalière. Où c'est que je pourrais mettre une de ferme céréalière. Ben, on pourrait faire un chemin. Je pourrais la mettre par là, la ferme céréalière, là. Par ici. Et je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va travailler sur la ferme céréalière aujourd'hui. Donc avec un petit chemin qui part là. Ouais, je vois un truc autour de ça, là, vous voyez. Ici, on va laisser le bout de forêt, puis autour de ça, on va mettre des bâtiments. Là, il y aura une cour avec des arbres au milieu. J'imagine le truc, à côté, on mettra des champs. Alors, on va déjà commencer par faire le terrain. Hein. Démarrer. Hop là. Donc, j'ai fait quelques champs aussi dans le off. C'est... On va passer sur la couleur qu'on connaît bien. Alors, c'est plus compliqué avec le shader, même si en vrai je vois un peu mieux avec mon shader.
et que je me suis trompé de couleur. Voilà, ça c'est la bonne. Alors on va faire donc un petit chemin comme ça, là où il y a deux petits traits comme ça. Faut faire un truc vraiment propre. C'est pas mal. Donc maintenant on va tracer le chemin, hop là, comme ça. Et donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va construire comme ça. Va commencer à faire une sorte de place en fait. De place, mais en terre. Alors, je vais augmenter le rayon, histoire de prendre une zone plus grande. Bim. Comme ça. Ensuite, je peux plus. Maintenant, faut que je le baisse. Comme ça. Et pas. Et là, non. Après, là, on passe sur du rond. Histoire de faire des courbes et des trucs un peu plus fluides. Hop, comme ça. Ensuite, celui-là. Comme ça, c'est pas mal. Vous voyez, là, on a une petite zone. Alors, je vais la refaire un peu, hein. Je vais agrandir par là. Hop, on va faire ça un peu plus carré. Enfin, que ce soit quand même géométrique et propre. Comme ça. On va faire ça là. Puis on va en installer un là, comme ça. Voilà, là on a la base de notre ferme pour les céréales. Ça fait bizarre la texture de la terre quand même avec le shader. Par contre, le jeu sans le shader est, comment dire, très moche. Alors, ça sauvegarde, tant mieux. J'ai fait échappe sans vouloir. Donc, on va placer une maison. Alors, j'ai un mode qui me permet de pouvoir placer des maisons dans tous les cas. J'ai pas assez de maisons. La maison, je la mettrai en dernière. On va placer en premier un silo pour le stockage de grains. Silo multifruits. Celui-là, il est pas mal. On viendra le mettre. Comment je pourrais le placer, ce silo? Comme ça. Là. Ensuite, on repasse ça en terre parce que bon, le béton dans cette ferme, il n'y en a pas. Je vais ragrandir un peu derrière, l'histoire qu'en fait on puisse faire demi-tour. Ensuite, on va aller dans cabane. Dans cabane, on va prendre des hangars. Un bâtiment en tôle. Oh, magnifique. Magnifique, celui-là il est beau. Et le bâtiment en tôle là, j'irais bien caler par là, genre. Comme ça. Ouais, il va bien. Ouais, il est parfait là. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre dans comme bâtiment? Genre, j'ai remis des bâtiments entre-temps.
celui-là. Un peu dans le même style, mais un peu différent quand même. Comme ça, il fait toute la longueur. Ouais, ils sont bien placés. Comme ça, là, j'aime bien. Oh, pas mal. L'idée. L'idée qui est plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'il est vraiment un petit peu petit ce bâtiment. Comme ça, il irait vraiment bien. Oh oui, ça va bien. Qu'est-ce que je peux caler d'autre? Bah, pour compléter un peu, on va mettre un bâtiment minuscule. C'est juste pour avoir un peu de longueur. Alors, faut bien le cadrer. Compliqué de cadrer ce genre de bâtiment. On va caler un peu de modding wall avec donc ce bâtiment en bois. Il y a d'autres. Le problème, c'est qu'ils ont des fenêtres derrière et c'est totalement, mais alors totalement moche. C'est dégueulasse. Non. Si on en prend un comme ça là, qu'on le met là. Ouais, on va mettre celui-là là. Et à côté, il y aura la maison. Comme ça fait une petite ferme céréalière sympathique. On va aménager donc tout autour. Ah non, pour aménager autour, il me faut mon pack d'arbres. Je l'ai pas encore. Faut vraiment que j'aille l'installer après. Donc je vois si je peux pas encore en caler. Non. On est pas mal, on est pas mal. Hop. Donc là, je vais m'occuper de faire le détail du bâtiment. Donc de laisser en terre, hein, vraiment, l'histoire de faire une ferme céréalière un peu vieille, si on peut dire ça comme ça. Comme ça. Bah là, ça fait une belle petite ferme céréalière. On va faire un peu de décoration. Et donc, bah, je vais vous retrouver juste après. Je vais m'occuper de faire la déco. Allez, à tout de suite!
Donc voilà les amis, j'ai terminé de faire la ferme. J'étais en train de vendre les lampes là, vertes que vous avez vues. Bah je vendrai ça une autre fois. Parce que bon, mon jeu il a failli crash 2-3 fois là. Il y a des moments quand je les vendais, bah genre je spam clic et puis farming ne répond plus. Du coup je trouverai un moyen, je les vendrai tranquillement au fur et à mesure, mais j'ai pas envie de cette plante maintenant, là j'ai sauvegardé avant. Je viens de sauvegarder, du coup comme ça okay, on n'a pas perdu ça. Je pense qu'on est déjà sur un épisode plutôt pas mal. Hein. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? C'est vrai que ça fera petit épisode, je pense, aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. Et ouais, c'est comme ça. La semaine prochaine, ce qu'on fait, c'est que on part. Ce sera peut-être bien l'un des derniers épisodes. Je vais m'occuper de faire en off tous les champs. Tout. Je pense que je viendrai même en multi avec des potes. Enfin, on se mettra peut-être à plusieurs parce que ça va être long. Donc je vais m'occuper de vous faire tous les champs. Et comme ça, dans le prochain épisode, on terminera donc les détails. Puis peut-être bien que du coup, à le dernier épisode. Je sais pas. Peut-être que le dernier épisode sera la semaine prochaine, on verra bien. Puis bah quand j'aurai fini la map, je vous la mettrai donc sur King Mode en pack, dans les packs là. Et donc oui, bah prochain épisode on fera la bergerie et le BGA, puis ce sera tout. Hein. Puis peut-être une deuxième ferme à vache, on verra. On verra en fonction du temps, puis s'il faut, bon voilà. Bon, moi les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, si c'est pas encore fait. Et sinon, à liker et à partager si vous avez des amis qui pourraient être intéressés par ça, des personnes. À faire connaître, parce que bon, c'est compliqué de se faire connaître sur YouTube. Donc voilà les amis, ciao!